Bonjour, voici quelques petites nouveautés de la boutique. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer ces deux collections de chez Papers for You qui viennent d'arriver. Donc, ça m'a l'air d'être très très joli. Donc, la première, c'est The Kingdom of the Elf collection. Donc, ce sont des elfes apparemment. Donc, on va ouvrir ça et regarder ensemble. Donc ce matin, vous avez l'avant-dernière vidéo tutoriel de l'album mariage Wedding Bow qui est fait avec la même marque de papier, donc Papers for You. Vous l'avez en ligne dès aujourd'hui et il vous restera une dernière vidéo pour finir l'album qui sera diffusée la semaine prochaine. Donc cette première collection, nous avons... Donc, une forêt avec des elfes, des jolies décorations. C'est très joli. Les couleurs sont super chouettes. Donc, des fonds de texte, de feuilles. Ici, donc, on a l'elfe avec son carquois, ses flèches. Un esprit un petit peu jardin. Les motifs sont très très jolis. Franchement, c'est très joli. Alors, donc on a ensuite celle-ci. Donc il y a des dragons quand même. Alors si vous aimez un petit peu le style Harry Potter, ben là vous avez une, on peut dire une version un peu féminine. Ça peut être intéressant. Donc ici vous avez une licorne, des couleurs orangées. Bon, s'il y a une face qui vous plaît moins, vous pouvez utiliser l'autre. Ils sont vraiment jolis. Oh, ici, sur ce fond-là, donc, tir à l'arc avec des cerfs et biches. Regardez ces détails de motifs. C'est très, très joli, façon aquarellée. Ah, il y a beaucoup de feuilles dans le paquet. Il y a beaucoup, beaucoup de feuilles. Tous ces motifs sont super jolis. Alors ici, encore donc une fée en bas ici. Ça fait rêver, je trouve. C'est enchanteur. Les arrières aussi sont très jolis à placer. Là, c'est bien, vous pouvez quand même les couper en 15-15. Si vous faites des rabats, c'est intéressant. Donc là, on a tout un tas d'embellissements à découper. Des étiquettes avec des formes qui changent un petit peu. À l'arrière, on a aussi des fonds. Si jamais vous ne voulez pas utiliser les étiquettes, ce qui serait dommage quand même. Et là, c'est l'arrière du paquet. Donc, on a dans cette collection... Il y a 12 pages, ouais, 12 pages, donc c'est quand même bien. Et ensuite, assorti, vous avez, alors ça, c'est une nouveauté aussi. Donc, c'est le papier vellum assorti, le papier calque, qui lui est imprimé. Alors, on va regarder ça. Également, je suis curieuse. Donc là, pour faire des pages d'album transparentes, un petit peu comme des intercalaires. Donc là dedans il y a 6 pages. Donc ces papiers sont fabriqués en Espagne, donc c'est assez épais. Donc ça c'est intéressant, donc si vous faites des pliages ou même des enveloppes. Donc alors c'est imprimé sur l'endroit, mais à l'arrière on voit un petit peu le fond aussi. Donc ça, oh c'est très joli. Donc toujours dans les mêmes tons, les bleus,
les un petit peu terre de sienne sépia, orangé et un petit peu prune. Vous pouvez aussi faire des enveloppes avec. Oh, c'est super. Vous faites des enveloppes un petit peu transparentes comme ça pour faire des intercalaires de pages. Oh, c'est vraiment très très chouette. Donc ça représente bien les fonds des papiers assortis. Donc ça, avec cette collection, vous avez aussi avec ça les die cuts. Donc c'est ceci. Donc là, vous avez toute la collection de die cuts. Bon, je les rangerai après. Voilà, donc dedans, il y en a une vingtaine, je crois, dans ceux-là. C'est marqué sur la boutique. Je vous ai sélectionné des encres pour aller avec ces deux collections. Si vous avez déjà le bleu Aspen Mist, le numéro 77 qui est pâle, le Aegean Blue, le bleu antique 0,78, et le 0,54, le Perfect Plumeria. Ces trois couleurs, regardez, elles vont super bien avec. Donc là, hop, je vous propose ces trois couleurs pour aller avec. C'est vrai que j'ai aussi un orangé, voyons, un peu pêche au niveau des orangés. Donc il y a celui-ci qui est bien orange, le 0,33, c'est persimon, et ensuite on a le 0,74 qui est plus pêche, lui, pink grappe fruit. Vous voyez, ça va un petit peu avec ces fleurs là. On va regarder de plus près parce que là le détail est un peu petit. Vous voyez, ces temps-ci, et eh bien vous pouvez les marier avec sans problème. Donc, ça c'est pour les encres qui vont avec. Après, donc il y a une deuxième collection qui s'appelle Once Upon a Time. Donc il était une fois. Alors c'est vrai que ce thème est bien repris par plusieurs collections. Donc là, pareil, vous avez les die cuts dedans. Vous avez les calques, pareil, les vellums assortis. Donc les 6 pages. Donc, c'est vraiment très très joli. Et là, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis curieuse aussi, comme vous, de voir ce que c'est. Donc il y a 12 pages, donc ça fait quand même 2 fois 6 pages si on compare aux 7 de papier de 6 pages en 30,5 par 30 par 31. Celles-ci, elles sont assez grandes. Donc là, on a la princesse. Ici, c'est un peu la Belle au bois dormant, j'allais dire, avec son, avec le château. Donc une princesse qui tient une rose. On est encore dans ces fonds bleus, couleur un petit peu cassée, bleu gris. Alors c'est un jaune qui ressemble un peu au doré en fait, hein, à la couleur or. Ici on a donc des fonds de journaux, toujours les jolis fonds baroques, très très jolis. Ici on a un fond avec une rose dans une cloche. La princesse qui a la tête effacée. Ici, on a de très beaux motifs baroques. Des taches d'aquarelle. Des fleurs. Donc c'est vrai que vous pouvez associer aussi des fleurs avec ces collections. Je ne vous en ai pas assorti, mais vous avez des tons de fleurs aussi dans les bleu-gris qui peuvent correspondre à ces collections. Voilà un côté un petit peu rouille. C'est vraiment très joli. Hein. Franchement, il y a de quoi faire des grandes pages d'album en fait. Vous allez travailler en grand, ce serait intéressant. Sinon, ben, vous faites comme je vous ai montré dans les tutos, vous recoupez et vous faites des rabats. Et comme ça, quand vous ouvrez les rabats, vous avez votre page en entier. Ah, c'est un peu la Belle et la Bête, là. Il y a toujours ce côté qui fait un peu or.
Donc là, vous pouvez rehausser ça avec un petit gel, le petit gel pailleté Dovecraft, par exemple, couleur or. Vous pouvez en mettre un petit peu sur le contour des pétales pour rehausser ces parties-là, si vous voulez. C'est très très joli. Là, ça fait un peu Alice au pays des merveilles, la pendule, la théière, les livres, le miroir. Elle est cachée à la cire. Ici, des étiquettes à découper pour faire vos embellissements ou utiliser les jolis fonds. Parce que si vous prenez les die cuts assortis, vous n'avez pas besoin de ces petites étiquettes. Là, celles-ci sont plus grandes. Je les trouve plus intéressantes à exploiter. Donc là, vous avez encore le dies du grand portail que vous pouvez utiliser pour faire une présentation, un petit embellissement sur ce bloc de papier. Donc vous avez assorti les calques imprimés. Donc pareil, les 6 pages. Bon, je ne vais pas les ouvrir. Vous les avez en photo sur la boutique. Et puis on voit que bon, c'est vraiment... Ce sont vraiment les motifs assortis, il n'y a pas de problème, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment très très joli. Ensuite, avec tout ça, donc j'ai reçu en nouveauté des perles de chez Prima. Donc, ce sont celles que j'utilise, ces boîtes-ci. Elles sont en verre, hein, ce ne sont pas en plastique, vous avez 3 tailles différentes. Donc là, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez celles-ci qui sont alors un peu... Alors c'est, comment dire, c'est pas un or jaune, c'est un or cuivré, un ton vert émeraude et puis un bleu turquoise, bleu pâle, alors un petit peu turquoise. Donc 3 tailles différentes de perles. Ça, vous pouvez les utiliser avec les papiers sur la mer. Là, en ce moment, ça arrive, on a des collections comme ça sur la mer. Et même avec la collection Positive True de chez Crafter Compagnon, avec les papiers nacrés et métallisés, et bien, ces couleurs correspondent bien aussi. Après, vous avez celles-ci qui sont plus pastels, donc avec un rose pâle, un bleu pâle et un blanc un petit peu ivoire. Donc ça pareil, 3 tailles de perles dedans. Ensuite vous avez, alors celles-ci sont les mêmes que j'utilise en ce moment. Et après vous avez celles-ci qui ont un rose pêche nacré, un rouge, comment dire, rouge un peu lit de vin, je ne sais pas trop comment définir cette couleur. Et un marron cuivré. Donc là ça c'est pareil, c'est très joli, même pour les albums de Noël vous pouvez utiliser ça. Ensuite donc au niveau des moules, donc j'ai rentré ces petits moules de chez Prima parce que vous avez le casse-noisette, le Père Noël, des fleurs de poinsettia, flocons, petites décorations et le petit Bambi. Moi je l'ai pris pour le Bambi, le Père Noël et casse-noisette, le reste ça m'intéresse moi. Je vais vous montrer, donc j'utilise avec les pâtes qui sèchent à l'air libre, légères, de chez Stamperia, que vous avez aussi dans la boutique. Donc je vais vous montrer un petit peu, j'en ai fait quelques-uns. Donc les petits bambis, alors c'est super léger, hein, vous les collez après à la taquiglu, ou au pistolet à colle, ou au double face. Donc là, le petit bambi, il n'est pas encore peint. Après vous pouvez les peindre aussi à l'aquarelle ou à l'acrylique. Donc il y a un petit collier ici, je ne sais pas si vous voyez. Après, casse-noisette, alors il est grand comme ça. Donc le casse-noisette, voilà, j'ai fait quoi? Le petit Père Noël, parce que lui j'aime beaucoup sa barbe et son petit bonnet, il est très joli. En fait, faudrait les voir peints. Bon, les fleurs de poinsettia. Et vous avez, j'ai fait également la petite boule de Noël, petite déco de Noël. Voilà, j'ai pas, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait le flocon. Voilà. Et il y a une petite étiquette. On dirait. Non, l'étiquette, j'ai pas fait non plus. Donc ça, après au niveau des moulages, j'ai ceci. Donc c'est un petit un hanneton. Voilà. Donc ça c'est nouveau aussi, un petit moulage. Alors vous pouvez aussi les faire en chocolat fondu. C'est aussi pour la cuisine. Donc si vous faites du chocolat fondu, ben, ce serait rigolo, ouais, pour Pâques, de faire des petits hannetons. Et ensuite,
des sapins, 6 sapins qui sont en 3 couleurs différentes. Donc rose pâle, blanc cassé et vert enneigé. Voilà, vous avez 2 sapins de chaque. Je vous avais mis hier une vidéo tuto pour réaliser une guirlande avec les chutes de dentelle et de ruban. Voilà, donc ça, eh bien, ça peut aller aussi avec ces collections-là. En fait, si vous rajoutez un petit peu de bleu-gris dedans, eh bien, vous voyez, même les fleurs, elles vont avec. Voilà, c'est les fleurs que vous aviez dans la boutique il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours à peu près. Je pense que j'en recommanderai. Le ruban aussi, le ruban shabby, c'est celui-ci. Que vous aviez. Voilà, j'ai cousu des petits, des vieux boutons. Voilà, donc vous retrouvez ces tutos en ce moment en ligne. Vous avez encore les soldes jusqu'au 8 février. Il reste encore des petites choses intéressantes dans le rayon des soldes. On se retrouve cet après-midi pour commencer l'album en live de Noël avec la boîte à musique. Je vous le remontre. Donc cet après-midi, on va travailler cet album dans sa boîte. Voilà, donc ça c'est pour cet après-midi. Voilà, nous serons en live si vous voulez discuter un petit peu avec moi, même si vous n'avez pas le temps de faire l'album et que vous le faites après en replay ou pas. Si vous voulez me faire un petit coucou, vous m'écrivez un petit message et ça me fera très très plaisir. Je suis contente de savoir que vous êtes là avec moi. Si j'ai rentré un accessoire aussi, je vais vous montrer. J'ai oublié de vous le montrer. Donc, c'est celui-ci de chez We Memory Keepers. Donc, c'est un accessoire pour faire des pompons, des floches comme ça, de 3 tailles différentes. Voilà, il y a la vidéo qui vous explique comment faire voilà, des glands, en fait, en différentes tailles. Vous allez sur l'article de la boutique, dans les outillages, et là, vous avez une vidéo qui vous montre comment réaliser très rapidement ces petits pompons. Alors, pour faire des banderoles, des décos d'albums, de cartes, tout ça. Ou autre pour la décoration aussi, pour les junk journal aussi et les planners, les agendas. Voilà, les filles elles aiment bien décorer aussi comme ça leurs agendas. Moi ben, je les utiliserai en scrap hein, ou en carterie ou en déco aussi, en embellissement pour faire eh ben, des je vais y arriver. Des breloques, voilà, ajoutez avec vos breloques, avec les perles, vous faites des petits embellissements. Ben, j'en ferai un petit peu plus tard, je vous ferai une vidéo. Voilà pour ces petites nouveautés du jour. Eh bien, je vous dis à cet après-midi pour le live et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.